Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, sur l'épisode de Starbound, donc le 51e épisode sur toujours l'avenir du jeu. Nous avions la dernière fois regardé ce post tout simplement, qui comporte en fait une vidéo d'une heure et quart sur un live montrant en fait tout simplement le jeu à l'époque du 29 avril tel qu'il était dans le Nightly Build je pense, ou en tout cas... Donc encore plus Nightly que le Nightly apparemment. Il dure environ une heure et quart. Moi je l'ai regardé plus ou moins en accéléré. Hop, j'avais mis là, vous voyez. Crac. Intéressant, mais je ne vais pas vous le montrer, je vais pas faire un commentaire du commentaire du commentaire du commentaire, parce que ça fait déjà une inception et j'ai pas les droits d'auteur sur ce film. et de deux surtout en fait, c'est parce que c'est compliqué en fait de faire un commentaire d'une autre personne. Parce qu'on joue pas de la même manière. Et moi j'aimerais vous montrer des choses, m'arrêter sur des choses, vous montrer d'autres choses, tester des choses, et faire plein de choses. Donc plein de fois le mot chose dans ce début de vidéo, et ça ne sera pas possible. Du coup, bah, on va passer sur ce post, et on va aller sur le prochain, donc comment mettez des lasers sur vos flingues, et on va aller lire cette entrée. Hop, c'est parti. Donc, regardez ces super armes craftables, donc ces super armes laser craftables à la fin du jeu, donc dans le dernier tiers. Dans les derniers tiers. Une épée laser, donc on peut voir qu'elle... Voilà, elle combatte. Et au bout d'un moment, elle se range. Voilà, c'est intéressant. Un peu plus intéressant, on a ici un arc. Vous allez pouvoir voir que... Regardez. Un tir simple. Fait, se plante. Un tir chargé, fait un rebond. Un tir parfait, fait deux rebonds. Si c'est pas la classe. Et enfin, moi ce qui me fout le plus la hype, des armes laser... Je trouve ça complètement stylé avec la petite traînée, regardez qui suit. Oh là 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 là. Par contre, je m'inquiète sur la quantité d'énergie que ça va prendre. Mais sur le principe, je trouve ça complètement pété. Donc trois armes laser, j'espère simplement aussi que nous pourrons changer les couleurs des armes. Parce que le violet, c'est... Enfin, j'aime bien Mace Windu, hein. Mace Windu, je sais pas comment vous voulez le dire. Moi, j'aime bien dire Face Windu. Parce que voilà, il s'en est pris une dans la face. Ouais, comment dire, la couleur me plaît pas des masses, j'espère qu'on pourra changer comme avec les costumes, qu'on pourra changer tout simplement la couleur. En tout cas, on verra bien le moment venu. On retourne sur le flux, la suite de dev, enfin de blog, enfin de post, plutôt on va dire de post. Et on va donc au 5 mai, donc on se rapproche des dates récentes, hein, chers amis. Hein. Voir Ursa Minor, donc on a reçu Violaceus, pardon, dans les bureaux cette semaine en tant que guest. Donc, en tant qu'invité animateur artiste, elle a créé un magasin pour remplacer le vendeur de minerais, à l'autre poste. On peut donc rencontrer Ursa et Little Dipper, donc Ursa et son fils, qui fait travail. Donc, Ursa qui est vendeur, hein, et Little Miner qui est le fils d'Ursa, enfin Dipper, pardon, et qui fait tout le boulot, on peut le voir, hein, clairement. Donc, on fait travailler les enfants dans Starbound maintenant. Hein. Rosie 2 nous a assuré qu'il y aura de plus en plus, enfin beaucoup plus de livres divers et coloré. Donc est-ce que ce sera uniquement au niveau du sprite ou est-ce que ce sera aussi à l'interface d'ouverture du livre? Je vous le demande. On le saura en temps voulu, je pense. Ça fera une grosse différence pour les livres que vous récupérerez dans tout l'univers qui ressembleront, qui sont donc un peu plus uniques et un peu plus... Et encore plus important, plus en phase avec les sujets qu'ils traitent en fait tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, si c'est seulement les sprites, je vois pas. Ah si, c'est rigolo, regardez. C'est, ça en est à tel point qu'en fait ils ont pas changé le sprite du journal. C'est un livre avec une texture de bouquin, de journal. Mouais, bon. Et donc à la suite des armes laser, des pistolets, des arcs laser, etc. Voici des trucs laser qu'on a vu dans le précédent poste. Donc voici les baguettes et les bâtons. Donc, on peut voir le bâton, je pense, qui est ici. Qui crée donc 5 épées qui suivent. Alors attendez, je vais enlever le truc, vous allez voir. Ça doit être une baguette, je pense. Qui envoie 4 petits blocs. Et le gros bâton qui envoie
5 épées, vous voyez, qui suivent le mouvement des... Donc c'est intéressant. Ça me fait beaucoup penser à un sort, il me semble que c'est dans... Dans Fable 3. Ou dans Fable 2, je sais plus. Où il y avait ce système de comment, de d'épées qui se lançaient, qui était super stylé d'ailleurs. Et encore une fois, vous voyez, laser et violet. Donc moi, ça m'intrigue un peu. Surtout qu'on peut voir qu'en fait, les comment les deux... Ouais, les deux comment les deux armes ont des... Par exemple, là, on peut voir un truc qu'on pourrait penser à du rubium et là, à du comment du cérulium. Mais malheureusement, vous voyez, les deux... Ou du ferrosium plutôt, peut-être plus du ferrosium. Malheureusement, les deux, on voit des lasers violets. Donc ça m'intrigue un petit peu. Ça m'intrigue un petit peu. La suite. Hop. On avait vu tout ça. On va pouvoir se rapprocher un peu plus de la... Bah, on est à la dernière page, chers amis. Donc c'est peut-être un petit peu plus court. Mais c'est pas plus mal, hein. Moi qui espérais... Hop, vous n'avez rien vu, chers amis. Spoiler alerte. 6 mai. J'ai un peu jonglé entre plusieurs tâches à réaliser les dernières semaines. Mais pendant les pauses... Enfin, entre deux pauses, j'ai pris le plaisir à m'occuper d'un nouveau donjon. Ça reste toujours des traductions, vous savez, chers amis, approximatives, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le, enfin, designé un de ceux-là. Donc je me suis permis de prendre l'opportunité pour récupérer un concept que j'avais dans ma tête depuis longtemps. Donc on peut voir une espèce de maison japonaise à la Ilotte, là, hein, c'est les styles Ilotte normalement. Avec donc toujours le bureau bambou qui est bien éclairé, donc c'est toujours agréable. Et donc il appelle ça un donjon, donc ça m'intrigue. Est-ce que ça serait un donjon qui se passerait entièrement dans le noir en pleine nuit et qui ferait une espèce d'attaque ninja? Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bon, bien sûr, ça sera encore des élucubrations, chers amis. 10 mai, donc on se rapproche encore plus. Là, à l'heure actuelle, nous sommes le 16 mai, si je me trompe pas. Hein. Oui, 16 mai, c'est bien ça. Hop. Donc on se rapproche petit à petit. Vous aimez l'espace? Vous aimez les comment aussi, les magiciens, enfin les sorciers? Wow, vous en avez de la chance. Et donc là, on va arriver sur des choses très intéressantes. Moi, je les avais vues il y a pas longtemps, du coup. Regardez donc les bâtons et les baguettes. Enfin, regardez toujours pour chercher toujours les bâtons et les baguettes dans vos voyages. Et devenez un sorcier de l'espace super cool. Le sorcier de l'espace. Non, devenez le sorcier de l'espace super cool que vous avez toujours voulu être. Enfin, voilà. Bref, vous avez compris. Les bâtons sont à deux mains et viennent avec une capacité secondaire, alors que les baguettes sont à une main et peuvent être utilisées avec deux armes, donc mince. Ah, je sais plus. je sais plus. C'est du comment du... dual wielding, c'est du comment, c'est du quoi, c'est du... De l'ambidextrie, voilà, merci. Ça me revient dans la tête et je me dis merci à moi-même. Donc on peut voir ici ce que je pense être un bâton. Et qui est exactement le même. Donc avec une zone de heal, comme vous pouvez le voir. Et ici donc, une zone de pluie de feu, ce qui peut être très intéressant. Ils arrivent donc de pré-enchantés, ou alors sciencés, on va dire. On va prendre le terme qu'ils ont utilisé. Donc est-ce que c'est de la commande de la science ou de la magie, on ne sait pas. On ne sait pas, avec une grande variété de capacités utiles. Il est vos amis. Créer invoquer le feu, brimstone, une pluie de pierre, ou une pluie simplement d'électricité violette sur vos ennemis, encore du violet, hein. Le violet commence à me foutre les boules. Ou alors vos amis, on n'est pas là pour juger. La robe et le chapeau de sorcier ne sont pas inclus. Dommage, j'aurais aimé que ce soit inclus. On va directement à la suivante. 13 mai donc, il y a 3 jours. Donc avant le week-end. Merch of the Penguins. Vous trouvez que votre arme nécessite vraiment d'être améliorée, mais vous ne trouvez rien vraiment d'intéressant dans les coffres à la fin de vos donjons. Maintenant, il y a un magasin pour ça. Regardez ce beau vendeur. Enfin, cherchez ce beau vendeur si vous êtes en...
si vous êtes à la recherche de, donc, d'armes rares et puissantes au marché. Par contre, vous allez devoir apporter beaucoup de pixels. Donc, nous sommes en train de faire... We are firmly in the polishing up phase now. Donc, ils sont dans la fameuse phase polish, qu'on entend plus parler il y a quelques vidéos. La semaine dernière, donc, par rapport à nous maintenant, donc la semaine du 13, c'est le dernier jour, en fait. Ils ont ajouté plein de choses intéressantes au codex pour le début du jeu. Et, apparemment, ils font beaucoup d'améliorations sur l'interface utilisateur. Apparemment, ils m'ont montré beaucoup plus de choses cette semaine, donc peut-être que je vous en reparlerai cette semaine. Jusqu'à là, passez un bon week-end. Et donc, vous voyez qu'on n'a plus rien. Hop, ici, nous sommes donc remontés à jour au niveau des informations des développeurs. Moi, je devrais retourner normalement une vidéo aujourd'hui sur Starbound. Est-ce que je vais pas attendre un petit peu? Partie 4. Est-ce que je vais pas attendre un petit peu pour le faire? C'est là qu'est la grande question, chers amis. C'est là qu'est la grande question. Parce que s'ils en mettent deux jours de suite, ça tombe bien, j'ai de quoi mettre une petite vidéo. Ou alors sinon, je reprends peut-être certaines choses que j'avais fait avec le Night. Enfin, ou alors je reprends le Nightly Build. Et je vous présente le Nightly Build pendant quelques vidéos. On verra bien. On verra bien. Et bien écoutez, les amis, moi je vais vous laisser là pour cet épisode en tout cas. Donc, et bien écoutez, un grand merci de l'avoir regardé. Un grand merci de me suivre. Bientôt les 5000 abonnés, je vous en remercie. Je fais que ça de toute façon. Je fais que ça vous remercie en fin de vidéo. C'est la fête. Je pète une durée. Merci à tous. Merci à tous, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être présent pour la chaîne. Merci de votre soutien. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.